Coucou les filles, ben, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire une vidéo sur mes produits vraiment préférés de chez ELF. Donc vous savez que ELF c'est une marque que j'apprécie énormément. C'est une marque de produits de maquillage vraiment à tout petit prix. Je crois que le plus cher produit qu'il doit y avoir chez ELF doit coûter entre 20 et 30 euros. Je suis pas sûre, mais c'est ça. Je ne crois pas déjà avoir vu un produit qui dépassait les 30 euros. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque qui fait quand même attention aux produits qu'elle met dans ses produits, hein, aux ingrédients de ses produits, et qui reste quand même, qui réussit en tout cas à garder des prix vraiment très abordable. Donc c'est vrai que pour toutes les filles qui débutent en maquillage, pour les filles qui sont étudiantes, ou pour celles tout simplement qui ne veulent pas dépenser des 1000 et des 100 dans le maquillage comme moi, mais qui aiment quand même avoir des produits de qualité, en tout cas d'une bonne qualité, c'est une marque que moi je vous conseille et que je vous invite vraiment à tester. Alors bien sûr, comme dans tout les marques, il y a du bon, il y a du mauvais chez ELF, mais en même temps on est toutes différentes. Donc il y a des produits sur lesquels moi par exemple que je ne vais pas du tout apprécier, ou que je vais énormément apprécier, que vous n'aimez pas chez ELF. On est toutes différentes là-dessus parce qu'on a des peaux différentes, on a des réactions différentes aux ingrédients. Mais ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'est pour celles qui n'ont jamais testé ELF et qui ont envie de se lancer, voilà, vous orienter un petit peu en tout cas sur moi les produits que j'aime, en sachant que ça reste mon avis et que bien sûr il faut tester vraiment pour savoir si on aime un produit ou pas. Alors, première chose en tout cas que moi je vous recommande chez ELF, ce sont les pinceaux. Alors, il y a deux gammes. ELF se distingue par deux gammes. Donc il y a la gamme essentielle et il y a la gamme Studio Line. Donc la gamme Studio Line est un petit peu plus chère, et la gamme essentielle, c'est une marque, ils ont augmenté leur prix, hein, à ce que j'ai pu voir. Donc avant qui était 1 euro, maintenant il y a quelques produits qui sont restés 1 euro, sinon ça s'est passé 1 euro 50, mais ça reste quand même très abordable. Vraiment les filles, on peut pas, c'est difficile de trouver des produits à moins de 1 euro, à moins de 1,50€, surtout quand ce ne sont pas des produits qui sont en promotion, quand c'est des produits qu'on peut trouver, retrouver tous les jours. Alors, je voulais vous parler des pinceaux. Donc moi j'ai des pinceaux de la gamme Studio et de la gamme essentielle. Alors tout d'abord, bon, les pinceaux de la gamme essentielle, c'est vraiment les pinceaux que je vous recommande chez ELF, ce sont les pinceaux pour les yeux. Alors j'en ai plusieurs, mais je vous en montre quelques-uns. Mais les pinceaux pour les yeux de la gamme essentielle sont très bien. Ils font parfaitement leur travail. Ils coûtent 1€ à 1,50€. Hein. Je vous mettrai le prix exact, hein, pour être sûr. Donc vous avez des pinceaux plats, vous avez des pinceaux, si vous voulez, des pinceaux estompeurs, et des pinceaux pour faire les ras de cils. Vous avez toutes sortes de pinceaux dans la gamme à 1€. Mais vraiment, les trois pinceaux que je vous recommande dans la gamme essentielle, que je vous recommande, pardon, c'est le pinceau plat, le pinceau estompeur et ce petit pinceau. Voilà, ce petit pinceau là pour faire les ras de cils inférieurs, qui est vraiment très bien. Vraiment, ce sont de très bons pinceaux et je vous les recommande vraiment vivement. Vous ne vous ruinerez pas et ils font parfaitement leur travail. Moi je les ai depuis assez longtemps, ils sont assez doux, je les lave maintes et maintes fois, ils ne perdent pas leur poil. Très bon produit de chez ELF. Je ne vous recommande pas les pinceaux pour le visage de chez ELF, dans la gamme essentielle, parce qu'ils sont assez rêches, ils perdent un peu leur forme quand on les lave, ils deviennent de plus en plus rêches. En plus j'ai l'impression, ils sont pas doux, hein, pas vraiment doux, on peut pas dire que ce soit des pinceaux doux. Voilà, donc pour vraiment dépanner, moi j'en ai quelques-uns, hein. J'ai celui-ci qui est le powder brush, qui m'arrive d'utiliser donc pour poser donc ma poudre pour fixer mon anti-cerne. Voilà, j'en ai deux ou trois de la gamme essentielle, des pinceaux de visage, mais c'est pas du tout ce que je vous recommande. Voilà, donc moyen les produits, les pinceaux dans la gamme essentielle à 1€ pour le visage. Par contre, les produits Studio Line, aussi bien pour les yeux que pour le visage, alors je n'ai pas de
de pinceaux pour les yeux de la gamme Studio, puisque ceux de à 1 € me suffisent vraiment parfaitement. Donc je n'en ai pas. Mais j'ai par contre les pinceaux pour le visage dans la gamme Studio et ils sont vraiment super, super, super. Tout d'abord, premier pinceau que je vous recommande, c'est de faire un investissement dans un Kabuki, parce que les Kabuki de chez ELF sont tout doux, vraiment tout doux. Tout doux, je l'ai depuis pas mal de temps, depuis plus d'un an, je le lave, relave, il est toujours pareil, enfin, il perd pas ses poils, il est vraiment impeccable, il est toujours aussi doux, on peut s'en servir pour plein 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 de choses, pour fixer sa poudre, pour estomper, enfin, il est vraiment génial. Tous les pinceaux voilà, de la gamme Studio, moi je vous les recommande. J'ai le Complexion Brush, qui est un pinceau qui est assez gros aussi pour poser des poudres, pour estomper, ou voilà, pour poser le blush. Enfin bref, hein, après l'utilité des pinceaux, vous savez, on en fait un peu ce qu'on veut. J'ai ce pinceau que j'adore, qui est Flawless Concealer Brush, qui est un super pinceau pour le concealer, vraiment pour bien estomper son concealer. Très très bon pinceau. L'Anglais Brush, le pinceau pour le blush, voilà, en biais, mais qu'on peut aussi bien utiliser pour appliquer son bronzer. J'ai celui-ci aussi, le Blush Brush, voilà, qui pour le blush, mais moi que j'utilise soit pour fixer mon anti-cerne, soit pour mettre mon highlight. Alors, les Stipple Brush, vraiment, sont des pinceaux que je vous recommande, surtout si vous utilisez, on peut les utiliser aussi bien pour les produits en poudre qu'en crème, hein, mais si vous utilisez des produits en crème, ce sont de super pinceaux qui prennent très peu de produits, qui vraiment estompent très très bien, qui diffusent très très bien la matière, et en plus, quand vous avez des produits qui sont très très bien, très pigmenté, c'est aussi un pinceau génial pour vraiment prendre peu de matière et pouvoir vraiment faire son make-up parfaitement. Je les adore, ces pinceaux, ils sont vraiment super. Alors Mineral Powder Brush, voilà, c'est un pinceau que j'utilise pour faire mon contouring ou des fois aussi pour fixer mon anti-cerne. Et vraiment un de mes pinceaux préférés, c'est le Powder Brush, mais le plat que j'utilise pour mettre mon fond de teint. Très 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 bon pinceau, vraiment très bon pinceau. Les pinceaux de chez ELF Game Studio sont vraiment très très bien. Alors mes produits préférés de chez ELF au niveau des yeux. Alors je n'ai pas testé tous les produits chez ELF. J'essaye en tout cas à chaque fois de prendre des choses que je n'ai pas pour les tester, mais je n'ai pas encore testé tous leurs produits. Mais je vais vous parler des produits que j'ai et que j'adore, parce qu'il y a d'autres produits que j'aime moins, mais je vous en parle pas dans cette vidéo. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les produits que je trouve moins bien de chez ELF, vous me le dites en commentaire et puis je vous la ferai sans problème. Mais tout d'abord, il y a donc pour les produits, pour les yeux, il y a le primer à 1 € ou 1,50 €. Je ne sais plus s'il augmente 1,50 €. Mais dans la gamme essentielle, voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est tout simplement un primer avec un embout comme ça, qui se présente comme un embout gloss, un embout mousse. Et ce produit est très très bien. Je le trouve vraiment très bien. Je ne me vois pas mettre plus de 8. Je crois que vraiment ma fourchette pour les primers, c'est allez, je crois que je pourrais mettre 7 € et pas plus. Mais pourquoi aller mettre je ne sais pas combien quand on peut avoir un produit qui fait tout à fait le travail? Ce produit fait tenir les fards très très bien. Il fait peut-être pas ressortir la couleur du fard extraordinairement bien, mais bon, après il suffit de mettre une base colorée. Mais en tout cas, pour ce qui est de faire tenir le fard du matin au soir, il est parfait. Il coûte 1,50 €. Vraiment, c'est un produit que je vous recommande. Autre produit aussi dans la gamme essentielle à 1 € ou 1,50 €, c'est le gel à sourcils. Donc il y a deux embouts. Voilà, donc il y a une partie pour les sourcils, une partie donc qui est faite pour les cils, mais les ingrédients sont identiques pour les deux parties. Donc moi je me sers des deux parties pour mes sourcils. Il fait parfaitement son travail, il fait tenir les sourcils sans les coller. Voilà, je n'achète que ce mascara à sourcils. Je le trouve vraiment très 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 bien et parfait pour ce que je lui demande. Pour rester dans les sourcils, donc il y a ce nouveau produit de chez ELF qui est le Instant Lift Brown Pencil, pardon, donc Instant Lift Brown Brow Pencil.
Bref, donc qui est un pinceau, qui est un crayon pour les sourcils, donc avec un embout, avec une petite brosse à un bout et donc le crayon rétractable à l'autre bout. Moi, je l'ai celui que j'ai. Il y a trois teintes, je crois. Celui que j'ai, c'est le Deep Brown. Je l'aime aussi beaucoup. Il fait parfaitement son travail. Cette brosse est très très bien. Voilà, il est très très Bien, bien, bien. très naturel. Voilà, je le porte aujourd'hui et je trouve que c'est un très 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 bon crayon. J'ai testé celui de chez Mualuxe et vraiment, je préfère celui de chez ULF qui coûte moins cher. Voilà, donc. Après, donc pour les sourcils aussi, une autre chose que je peux vous recommander si vous aimez par contre plus faire vos sourcils avec donc un gel, c'est le kit Eyebrow Kit de chez ULF. Moi, je l'ai dans la couleur la plus foncée, donc qui va se composer donc de deux choses, donc d'une poudre ici et d'un gel. Voilà, et qui est vraiment très très bien, qui fixe très très bien les sourcils, qui tient très très bien toute la journée, qui teinte très bien les sourcils, très très bon produit, cette fois-ci dans la gamme studio, donc qui coûte 4 euros. Donc après, on va passer donc pour les sourcils. Alors j'ai essayé, je crois, deux mascaras de chez ULF dans la gamme essentielle. Là, j'utilise je teste un mascara donc Volumizing mascara dans la gamme essentielle que je trouve. Sans plus, vraiment sans plus, donc pas la peine de vous en parler plus que ça. Mais par contre, il y a un produit pour les sourcils que j'adore chez ULF, que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'aime énormément, c'est le Matte Primer, le primer à cils. Il est génial, donc il se présente comme ça, avec une petite brosse, voilà. Et le produit est blanc, donc ce que j'aime dans ce produit, c'est que n'importe quel mascara qui n'est pas terrible, avec ce produit, j'ai vraiment l'impression que le mascara, même si à la base sans primer, il ne me satisfait pas, en mettant le primer, il arrive à me satisfaire. Donc, il allonge vraiment bien les cils, il fait bien tenir le mascara, et même les mascaras qui ont tendance en fin de journée, si vous voulez un petit peu à se retrouver juste sous l'œil, là comme ça, vous avez des petits morceaux de mascara qui tombent. Avec ça ne tombe pas et il allonge bien, il étoffe bien. Moi, les mascaras les plus, je vous dis vraiment entre guillemets pourris, en tout cas ceux que j'aimais le moins, ce primer m'a fait vraiment les utiliser et les terminer. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. C'est devenu un indispensable pour moi, le primer de chez ULF. Je vais vous parler maintenant des fards à paupières. Donc, je n'ai pas testé tout. Les fards à paupières de chez ULF, j'ai testé ceux, les petits, vous savez, à 1 euro qu'on met dans un petit boîtier, qui sont très bien, hein, très poudreux, mais ils ont vraiment de très belles couleurs, ils tiennent assez bien avec une base, bien sûr, mais ils ont de très jolies couleurs. Mais vraiment, mes préférés en termes de fards à paupières, déjà pour commencer, il y a, vous le savez, mes Smash Post, qui sont à 2,50 €, qui sont des fards crème que tout simplement j'adore. J'en ai plusieurs, je vous en montre un seul là, mais c'est le Cruising Chic, c'est un de mes préférés, je l'aime énormément. C'est un super super une super base pour tous les jours, pour tous les fards d'ailleurs, et il est vraiment, si je devais vous en conseiller qu'un, je crois que c'est celui-ci et le Brownie Point, voilà, parce que ce sont des fards très très jolis et on peut mettre vraiment plusieurs fards dessus. Je l'aime énormément et ces petits fards sont exceptionnels pour 2,50 €. Ils tiennent super bien, ils ne bougent pas. Mais quand je vous dis, ils ne bougent pas de la journée, ils ne bougent pas. Et il se travaille plutôt bien. La seule chose, c'est qu'il sèche assez rapidement. Donc quand on utilise le Smosh Pot, il faut vraiment faire un œil après l'autre, parce que sinon l'autre a le temps de sécher et on a du mal après à estomper les bords. Mais si on fait un œil après l'autre, c'est parfait. Super produit, les filles, pour 2,50 €. J'adore mes Color Tattoo, mais vraiment les Smash Pots, j'attends impatiemment les nouvelles couleurs qui sont déjà sorties aux États-Unis et que j'attends impatiemment qu'ils arrivent en France, parce que c'est un super produit. Autre petit produit aussi que j'aime beaucoup pour les yeux, c'est le Long Lasting Lustrous Eyeshadow de chez ULF. Donc c'est comme son nom l'indique, hein, c'est des fards à paupières longue tenue, très 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 lumineux, vraiment très lumineux. Ils prennent la lumière, vraiment, ils sont magnifiques. Et celui que j'ai là, c'est le Gala.
très très bon produit qui tient vraiment très, très souvent comparé aux illusions d'ombre de chez Chanel. Moi, je n'ai pas d'illusions d'ombre, vous vous en doutez bien, c'est bien trop cher pour ma bourse. Mais ils sont comparés à ces produits-là et ce sont de très beaux produits, vraiment très jolis, que je vous conseille aussi. Ils tiennent vraiment très très bien. Et mes derniers chouchous que j'ai découverts il n'y a pas très longtemps, puisque je les ai achetés récemment, ce sont les Baked Eyeshadow de chez ELF. Oh là là, les filles, Alors, je ne vous ai pas dit, 2,50€, oui. Le Long Lasting Lustrous Eyeshadow, c'est dans la gamme Studio, donc c'est à 4€. Ceux-là aussi sont à 4€, les Beckett Eyeshadow. Ce sont des fards à paupières magnifiques. Qu'ils soient secs ou mouillés, ils sont magnifiques. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis fait un total make-up ELF. J'ai tourné la vidéo. Je vous la posterai un petit peu, ben, juste après cette vidéo, pour que vous puissiez voir. Mais vraiment, ce sont des fards à paupières magnifiques. Alors, j'en ai plusieurs et je pense tous me les prendre parce que je les aime beaucoup. Celui-ci, c'est le Bark. C'est un marron bronze magnifique que je porte aussi. Je crois que mon préféré, c'est le Toasted, qui est un, moi, je dirais un rose gold. Magnifique, superbe, que je porte aussi. Et voilà, vous en avez d'autres. Là, j'ai le Chocolate Dreams, c'est une nouvelle teinte, voilà, qui est un marron très foncé, magnifique, super en smoky, magnifique en smoky. Voilà, donc ce sont vraiment des petits fards qui tiennent très très bien. Alors, mouillés, ils sont encore 10 fois mieux, mais secs pour tous les jours. Là, je les porte secs, hein, je ne les ai pas mouillés. Ils sont très très lumineux et ils sont vraiment très très. On va passer au teint. Donc pour le teint, je vais mon fond de teint préféré de chez ELF, vraiment celui que j'adore. Je l'ai découvert cet hiver. C'est le Moisturizing Foundation Stick de chez ELF. Voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est un stick, hein, comme son nom l'indique. Voilà, que moi j'ai dans la couleur Coffee. Vous pouvez voir, je l'ai bien entamé, hein, je l'aime énormément. En tout cas, c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup pour l'hiver, parce qu'il est très hydratant et en même temps il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas trop, il n'est pas gras, pas très gras. Donc poudré, il passe vraiment impeccablement. Bon, là il souffre un peu de la chaleur, mais c'est un super 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 fond de teint pour les filles qui ont la peau sèche ou normale. Je pense que c'est un fond de teint que vous allez beaucoup apprécier parce qu'il est très hydratant et en même temps il est assez couvrant et c'est un très très bon produit que je vous recommande vivement. Il y a donc le kit de contouring, donc contouring, blush et bronzer de chez ELF. Ces produits sont tout simplement superbes. Alors ils ressemblent un petit peu, hein, à ceux de chez NARS ou d'autres marques, hein. Donc vous avez un blush et le blush, bon, je n'utilise pas trop, peut-être quelques fois, mais rarement, parce qu'il est très très pailleté. Mais le bronzer, tout simplement, je l'adore. Il est, je pourrais pas dire pailleté, il est satiné et il est très très beau et je le porte aujourd'hui. Et je l'aime vraiment beaucoup et c'est un super produit, vraiment très très bon produit pour 4€. Le fond de teint, je vous ai pas dit, coûte 6,80€. Un autre produit aussi, c'est un bronzer, un petit bronzer qui s'appelle Matte Bronze, qui est dans la gamme Essentielle, qui lui coûte 1€ ou 2,50€, je ne sais plus. Voilà, qui est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'il est complètement mat, bien sûr, mais surtout il a des sous-tons gris, si vous voulez. Donc c'est un bronzer qui est très très froid et pour l'hiver il est vraiment parfait pour faire le contouring. En tout cas pour moi, pour les carnations foncées, il est très très bien pour le contouring. Et je le trouve très 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 similaire, si vous voulez, au bronzer donc de The Balm, le Bahama Mama. Je trouve les deux vraiment très similaires. Ce sont deux bons produits, hein. Le Bahama Mama est un très très bon bronzer, mais pour le prix, celui-ci coûte beaucoup moins cher et je trouve qu'ils rendent exactement la même chose. Donc voilà, en tout cas sur ma peau, ils font exactement pareil et ils coûtent vraiment pas cher. Je vous le conseille vraiment de l'essayer. Pour le prix, de toute façon, même si c'est 2,50€, vous n'aurez pas perdu grand-chose, mais je pense que vous pourrez l'apprécier vraiment beaucoup. Pour les poudres, alors bien sûr, il y a la poudre de chez Studio que moi j'aime bien, qui est pas mal, mais en rapport qualité-prix, s'il y a une poudre que je peux vous conseiller, c'est la poudre à 1€ ou 1,50€, maintenant je ne sais plus. Enfin, la poudre dans la gamme Essentielle de chez
ELF. Alors, vraiment, cette poudre, elle coûte 1 euro. J'ai acheté des poudres bien plus chères qui étaient beaucoup moins efficaces. Cette poudre n'est pas une poudre matifiante, mais par contre, elle fixe très très bien le fond de teint. Elle rend la peau, elle veloute la peau. C'est une poudre qui est une couvrance, je trouve, plutôt pas mal. Pour son prix, c'est une super poudre et moi, je vous la recommande un milliard de fois. Cette poudre, un milliard, j'en ai des stocks, je l'aime énormément. Un autre produit aussi découvert il n'y a pas très longtemps, c'est les blushs de chez ELF. Donc c'est les seuls blushs que j'ai de chez ELF. Je n'ai pas de blush studio que je pense tester dans pas longtemps. Mais c'est la palette à 6,80 € je crois de chez ELF. La palette de blush, donc il y a la light et la dark. Celle que je vous montre, c'est la light. Super palette, vraiment magnifique palette de blush. Super pigmentation. Les blushs sont très très beaux. Vous avez deux mattes et vous avez... Vous avez trois mattes et vous avez un pailleté, mais pas pailleté si vous voulez trop trop pailleté, un très très pailleté assez léger et vraiment très belle palette que je vous recommande aussi vraiment d'essayer. 6,80 € pour 4 blushs, bah, vous faites la division, hein, vous voyez le blush il coûte pas très cher hein, quand on divise comme ça. Et le dernier produit teint que je veux vous recommander vraiment vivement les filles, ce sont les Beckett Highlighter de chez ELF. Mon préféré, c'est le Blush Gems, celui que je porte. Super highlighter, une tuerie les filles, magnifique highlight, lumineux, satiné si vous voulez, il est très très doux, il est super doux quoi, il est magnifique, vraiment magnifique, très 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 beau, prend très bien la lumière. Je sais pas si vous le voyez, mais je pense que oui, parce que il rend assez bien à la caméra. C'est un highlight que je porte souvent quand je filme, parce qu'il rend assez bien à la caméra. Et vous avez l'autre aussi qui est très joli, qui est le Moonlight Pearl. Alors celui-ci, c'est plutôt un doré pêche. Et celui-ci, ce sera plutôt un doré. Plutôt un doré. Vous voyez? Très, très, très beau. Ils sont vraiment très jolis ces highlights et je vous les recommande aussi. Alors, dernier petit produit que je vous propose de tester chez ELF si vous avez envie de découvrir cette marque, c'est les produits pour les lèvres. Alors, il y a plusieurs choses, ils font des gloss, ils font énormément de choses. Alors moi j'ai pratiquement tous les gloss à 1 € hein, de la gamme essentielle de chez ELF. Je vous les montre, je vous les ai pas montré dans mes produits préférés parce qu'il y a des gloss que je préfère. Hein, mais pour le prix, ce sont des gloss plutôt corrects. Hein, ils coûtent 1 €, voilà. Ils sont un peu collants, mais bon, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Hein, il y a pire. Mais surtout, si je recommande de tester un produit, c'est les Matte Lip Color de chez ELF. Celui-ci, c'est le praline. C'est des crayons rétractables pour les lèvres mat. Je le porte. Super produit qui tient très très bien, qui est vraiment une très très belle couleur, qui est mat, qui est vraiment super super super, qui coûte 4 € je crois, donc vraiment pas cher. Très 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 bon produit à lèvres de chez ELF. Vraiment très bon produit, les filles. Je vous le recommande. Un autre produit, alors. Il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre, qui seront contre. C'est les produits dans les rouges à lèvres à 1 € de chez ELF. Alors ce sont des rouges à lèvres vraiment qu'on peut comparer à d'autres rouges à lèvres qui coûtent peut-être 4 ou 5 €. Ils sont assez crémeux, ils sont bien, ils sont très hydratants, ils n'assèchent pas les lèvres. Il y a plusieurs couleurs. Moi, ce sont vraiment des rouges à lèvres que je recommande. Et ben déjà aux filles, voilà, hein, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais qu'on veut avoir beaucoup de couleurs. Ce sont de bons rouges à lèvres. Ils ont une tenue pas exceptionnelle, mais voilà, il suffit de s'en remettre dans la journée. Mais ils ont de très très belles couleurs. Mais je vous les recommande aussi si vous voulez tester une couleur et que vous n'êtes pas sûr de que ça va vous aller, voilà, ça va aller avec votre carnation. Voilà, je vous recommande de prendre, si vous retrouvez une couleur qui ressemble, si vous testez un orange ou un marron foncé ou un rose ou des choses comme ça et que vous savez pas trop si ça va vous aller, ben
tout simplement acheter un rouge à lèvres qui ressemble à la couleur que vous voulez tester à 1 € ou 1,50 € chez ELF. Ça ne vous coûtera pas très cher, vous pourrez la tester. Puis si ça ne vous va pas, ça vous évitera de mettre, je ne sais pas moi, 19 € dans un rouge à lèvres MAC et après vous rendre compte que ça ne vous va pas du tout, quoi. Il y a des teintes, si vous voulez, il y a des teintes qui se retrouvent un peu chez toutes les marques. Donc vous pourrez toujours trouver une teinte ressemblante dans la gamme à 1 € et vous la testerez. Et puis après, vous verrez si ça vous convient. Là, vous pourrez vous dire, ben, j'avais 6 plus parce que c'est une teinte qui me va bien. Voilà, c'est comme ça que moi c'est comme ça que je peux vous conseiller d'utiliser des rouges à lèvres à 1 €, mais ce sont aussi de très bons rouges à lèvres, des rouges à lèvres pour le prix qui valent vraiment le coup et avec lesquels on peut avoir beaucoup de couleurs pour vraiment pas cher du tout. Pour moins, je crois qu'il y a, je sais plus combien de couleurs, mais même s'il y a 20 teintes, ben voilà, vous avez 20 rouges à lèvres pour le prix d'un MAC, quoi. Donc voilà. Et dernière chose que je vais vous montrer, c'est les petits vernis, les vernis de chez ELF qui sont de très très bons vernis, qui sont alors celui que j'ai là, c'est le Lavender Mist. Donc c'est un bleu, enfin c'est un lavande, mais il est plutôt bleu, hein. Il est plutôt bleu, mais si vous voulez, il a des reflets roses. Alors je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra. Et voilà. Mais ce sont de très très bons vernis, ils coûtent 2,50 €. Il y a aussi des lots de vernis. Voilà. Très bon produit, les filles, vraiment très bon vernis. Si vous voulez pas mettre des 1000 et des 100 dans les vernis au pliage ou quoi que ce soit, mais vous avez bien changé de vernis assez souvent, voilà, vous pouvez toujours tester chez ceux de chez ELF. Hein. Moi, je les trouve pas pire que ceux de chez Kiko. Hein. Je les trouve assez équivalents à ceux de chez Kiko. Il y en a quand même pas mal dans le flacon. Ils tiennent plutôt pas mal, hein, voilà, avec une base par-dessus, ils tiennent plutôt bien. Ce sont plutôt des vernis sympas et surtout il y a beaucoup 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 de couleurs, donc vous pourrez forcément trouver une couleur qui vous plaît et en tout cas pouvoir changer régulièrement. Voilà les filles, c'était ma vidéo sur tous les produits que j'adore chez ELF. Je vais passer une commande chez ELF dans pas très longtemps et je vais essayer de prendre tous les produits que je n'ai pas testés chez eux, enfin, tous les produits qui m'intéressent que je n'ai pas testés chez eux. Et vraiment, c'est une marque que moi je vous recommande parce que c'est une marque qui fait attention à la qualité aux produits, comme je vous ai dit, qu'elle met dans ses produits et qui reste une marque à petit prix, vraiment à petit prix, très très abordable. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plus. N'hésitez pas surtout à me dire vous quels sont vos produits préférés en commentaire de chez ELF. Je vous fais plein 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 de bisous. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées et je leur souhaite la bienvenue. Merci à vous. J'espère que mes vidéos vous plairont et je vous fais plein de bisous les filles. Je vous dis à très 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 vite.